Je peux dépasser le cycliste par la droite. Oui. A. Non. B. Le panneau de danger vous annonce une intersection où vous serez tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de votre droite. Vous devez donc vous arrêter pour laisser passer la voiture venant de cette rue, ce qui ne vous permettra pas de dépasser le cycliste. Question 2. Je passe avant le véhicule rouge. Réponse A. Après le véhicule rouge. Réponse B. Dans cette intersection, aucune signalisation n'indique le régime de priorité. La balise blanche à anneau rouge positionne seulement le carrefour. En l'absence de toute signalisation spécifique, je suis tenu de céder le passage à tous les usagers venant de droite. Je passerai donc après le véhicule rouge. Réponse B. Question 3. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La situation paraît confuse, mais analysons-la avec calme. Que fait cet usager? Il recule, comme me l'indique la présence des feux de recul allumés à l'arrière de son véhicule. Sa manœuvre paraît délicate, puisqu'il est en partie sur la chaussée et en travers de celle-ci. Je n'ai pas à ajouter d'imprévu à la situation. Je m'arrête afin qu'il termine sa manœuvre et je ne klaxonne pas. Réponse B et C. Question 4. Je peux stationner sur les emplacements à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. En agglomération, je dois toujours stationner dans le sens de la marche. Je circule dans une rue à sens unique. En l'absence d'une signalisation particulière, je peux donc stationner indifféremment des deux côtés. Le marquage au sol matérialise d'ailleurs les emplacements de stationnement à cet endroit. Réponse A et C. Question 5. Je m'arrête sur les lieux d'un accident. Pour appeler les secours à partir d'un téléphone portable, je compose le 15, réponse A, le 17, réponse B, le 18, réponse C, le 112, réponse D. Les moyens sont bons pour appeler les secours lors d'un accident. Et aujourd'hui, il faut reconnaître l'avantage du téléphone portable sur les autres moyens de communication. Il permet notamment une meilleure description de l'état des victimes et le déclenchement d'une logistique adaptée. À partir d'un téléphone portable, un seul numéro centralisé permet d'entrer en contact avec les services de secours, le 112. L'appel est gratuit. Réponse D. Question 6. La signalisation annonce un danger. Temporaire. Réponse A. Permanent. Réponse B. Je dois ralentir. Oui. Réponse C.
Non. Réponse D. Lors de dangers temporaires comme des travaux, par exemple, des panneaux triangulaires à fond jaune sont utilisés. Ce dernier signale que vous allez rencontrer un chantier situé à environ 150 mètres. Pour aborder cette zone en toute sécurité, vous devez ralentir. Réponse A et C. Question numéro 7. En cas d'incident dans ce tunnel, pour demander de l'aide, j'utiliserai mon téléphone portable, réponse A, une borne d'appel d'urgence, réponse B. Que ce soit en cas de simple panne ou en cas d'incident grave, l'alerte doit être très efficace pour sécuriser rapidement les lieux. Chaque tunnel dispose de moyens de surveillance adaptés à l'ouvrage et au minimum d'un dispositif d'appel d'urgence disponible 24 heures sur 24. L'utilisation d'un téléphone portable peut occasionner des difficultés de localisation, voire une saturation des réseaux de communication. Cela peut entraîner une gêne pour les services d'intervention et de secours. J'utiliserai donc la borne d'appel d'urgence. Bonne réponse. B. Question 8. L'acuité visuelle minimum requise pour la conduite d'une voiture est de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Réponse A. 5 dixièmes pour l'œil le meilleur. Réponse B. Pour la conduite d'un véhicule de la catégorie B, le conducteur doit avoir une acuité visuelle d'au moins 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux avec correction. Réponse A. Question 9. Pour dépasser ce véhicule, je peux rouler à 130 km/h? Réponse A. 135 km/h, réponse B. Je devrais garder le clignotant durant toute la manœuvre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. En aucun cas, même pour effectuer un dépassement, vous ne pouvez dépasser cette limitation. Avant d'entreprendre la manœuvre, informez les autres usagers à l'aide de votre clignotant et conservez-le pendant toute la manœuvre. Réponse A et C. Question numéro 10. Cette balise signale la direction du vent, réponse A. L'intensité du vent, réponse B. Un aéroport, réponse C. Des travaux, réponse D. Je circule sur un axe exposé au vent. Afin de renseigner les usagers sur l'intensité et la direction du vent, une manche à air a été positionnée à cet endroit. Elle permet aux usagers d'adapter leur conduite lors de dépassements, par exemple. Ici, le vent est peu violent et vient de droite. Bonne réponse, A et B. Question 11. Dans ce tunnel hors agglomération, je pourrais circuler sans feu. Réponse A.
En feu de position seul. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C. Je vais circuler dans un tunnel éclairé situé hors agglomération. Je suis tenu de faire usage des feux de croisement, car malgré l'éclairage, la visibilité reste réduite. La signalisation en place rappelle d'ailleurs cette obligation. Les feux de position sont réservés à la circulation en agglomération. Les feux de route, quant à eux, ne doivent être utilisés que sur les chaussées dépourvues d'éclairage et lorsqu'ils n'occasionnent aucune gêne. Réponse C. Question 12. Comme ce véhicule rouge, je laisse le clignotant gauche activé pendant toute la durée du dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque je veux dépasser, je suis tenu de signaler mon intention aux autres usagers. Je ferai fonctionner le clignotant pendant toute la durée de la manœuvre et toutes les fois où je circule dans la voie de gauche. En effet, ce signal permet au conducteur situé devant ou derrière de comprendre mon intention et ma manœuvre. Réponse A. Question 13. Pour me diriger vers l'autoroute, je continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tourne à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Plusieurs directions me sont proposées à ce carrefour. Mais si je veux emprunter l'autoroute, une seule chose à retenir. La couleur bleue, qui est celle du réseau autoroutier. Ici, je dois mener vers l'autoroute. Si au contraire je tourne à droite devant le panneau vert, je prends un axe routier qui mène à des directions importantes, sans passer toutefois par l'autoroute. Réponse A et D. Question 14. Je laisse passer le camion. Réponse A. Je passe. Réponse B. Ce camion sort d'un parking ou d'un lieu privé. Avant de s'engager, il doit céder le passage à tous les véhicules qui circulent déjà sur la chaussée. Mais par mesure de prudence, je ralentis et je surveille le conducteur du camion pour vérifier qu'il m'a bien vu avant de passer. Réponse B. Question 15. Dans cette descente, le croisement est difficile. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les routes étroites à forte déclivité, lorsque le croisement se révèle difficile, c'est au véhicule descendant de s'arrêter le premier. En effet, il est toujours plus facile de repartir dans une descente que dans une forte côte, surtout pour un véhicule lourd. Je m'arrête. Réponse A. Question 16. La signalisation annonce une aire de pique-nique ? Réponse A. Une auberge de jeunesse ? Réponse B. Une cafétéria. Réponse C. Cette signalisation indique que sur cette aire de repos, vous trouverez des aménagements vous permettant de pique-niquer. En revanche, il n'y a pas d'auberge ni de cafétéria. Réponse A.
Question numéro 17. Je circule à 70 km/h. La route est dégagée, mes passagers me conseillent d'accélérer. J'accélère, réponse A. Je garde la même allure, réponse B. Je freine, réponse C. Je circule sur une route à double sens de circulation, limitée à partir du panneau à 70 km/h. Je dois respecter cette limitation, et ce, quels que soient les conseils de mes amis. Le conducteur d'un véhicule doit rester concentré sur sa conduite. Il est totalement responsable des personnes transportées et ne doit en aucun cas se laisser influencer par ses passagers. Rien ne m'oblige actuellement à freiner. Je reste toutefois vigilant pour être prêt à prendre les bonnes décisions. Bonne réponse. B. Question 18. Dans cette situation, je reste en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mais lorsque de nuit vous croisez ou suivez d'autres véhicules, vous devez passer en feu de croisement. Au cas où un conducteur restera en feu de route, faites-lui un bref appel en passant de feu de croisement en feu de route pour lui indiquer que vous êtes gêné. Réponse B. Question 19. La vitesse est limitée à 70 km/h. À 150 mètres? Réponse A. À 50 mètres? Réponse B. À partir du panneau? Réponse C. Les panneaux de prescription absolue, qu'ils soient d'obligation ou d'interdiction, prennent leur effet à partir du panneau. Ils sont placés en position, sauf dans le cas où ils sont complétés par un panonceau rectangulaire blanc. Dans cette situation, il vous est interdit de dépasser la vitesse de 70 km/h à partir du panneau. Réponse C. Question numéro 20. À 500 mètres, l'accès est interdit aux véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes, réponse A, ou est inférieur à 3,5 tonnes, réponse B. Je dois faire demi-tour à la prochaine intersection? Oui, réponse C. Non, réponse D. Un panneau rond bordé de rouge indique une interdiction. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules ou ensemble de véhicules dont le PTAC, poids total en charge, ou le PTRA, poids total roulant autorisé, excède 3,5 tonnes. Le panonceau précise que cette interdiction prend effet à 500 mètres. Au volant d'une voiture particulière, ce panneau ne me concerne pas. Je n'aurai pas à faire demi-tour. Bonne réponse, A et D. Je désire aller à Bordeaux. Face à cette signalisation, je reste dans cette voie. Réponse A. Je me rabats à droite. Réponse B. La chaussée sur laquelle je circule comporte des voies affectées à des directions données. Les panneaux à fond vert indiquent les directions vers les villes importantes. Dans ce cas, pour prendre la direction vers Bordeaux, je suis obligé de rester sur la voie de gauche et suivre cette direction jusqu'à ce qu'une autre indication plus précise me soit donnée. Je suis sur la bonne voie pour aller vers Bordeaux. Réponse A.
Question 22. Je laisse traverser ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'arrive à hauteur d'un passage pour piétons. Ce piéton manifeste visiblement son intention de traverser à cet endroit. Je suis tenu de le laisser traverser. Cela implique que je dois ralentir et éventuellement m'arrêter pour le laisser passer. Réponse A. Question 23. Je veux tourner à gauche. Je reste à ma place, réponse A, ou je serre à gauche, réponse B. Lorsque l'on veut tourner à gauche, il faut tout d'abord regarder dans son rétroviseur et avertir les usagers qui suivent avec le clignotant gauche. Je dois aussi serrer à gauche l'axe médian de la chaussée. En effet, cela permet aux usagers qui me suivent de pouvoir me dépasser par la droite et ainsi de ne pas bloquer la circulation. Réponse B. Question 24. Je peux m'arrêter à droite pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. La chaussée est marquée à droite par une voie réservée aux cyclistes. Cette signalisation me le confirme. En m'arrêtant à cet endroit, j'oblige un éventuel cycliste à passer sur la chaussée principale, ce qui peut s'avérer dangereux vu l'étroitesse de la rue. Je ne m'arrête donc pas à cet endroit. Réponse B. Question 25. Ces panneaux me concernent. Si je tracte une caravane, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tracte une remorque de 400 kg, oui, réponse C. Non, réponse D. Deux interdictions pour accéder à cette rue. Tout d'abord, ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules de transport de marchandises. Celui-ci interdit l'accès aux véhicules qui tractent une caravane ou une remorque de plus de 250 kg. En général, une caravane pèse plus de 250 kg et ma remorque pèse 400 kg. Dans les deux cas proposés, je ne m'engagerai pas dans cette rue. Réponse A et C. Question 26. La signalisation annonce un risque de pierre tombée sur la chaussée. Réponse A. Un débouché sur un quai ou une berge. Réponse B. Des chutes de neige fréquentes. Réponse C. Un risque de chute de pierre. Réponse D. Le panneau de danger implanté à droite vous prévient d'un risque de chute de pierre et par voie de conséquence, un risque de pierre tombée sur la chaussée. Vous devez rester très vigilant et réduire votre allure car la collision avec une pierre ou un évitement d'urgence pourrait avoir des conséquences graves sur votre véhicule et votre sécurité. Ce risque est encore plus important pour les utilisateurs de deux roues. Réponse A et D. Question numéro 27. La chaussée peut se rétrécir du côté gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ce panneau de danger est à fond jaune. Il s'agit donc d'un panneau temporaire. Le symbole signale une chaussée rétrécie. La chaussée peut se rétrécir du côté gauche, du côté droit, ou encore des deux côtés. Bonne réponse. Question 28. La signalisation annonce un risque de chute de branche. À 1000 mètres ? Réponse A. Sur 1000 mètres ? Réponse B. Un risque de présence de branche sur la chaussée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette signalisation vous annonce qu'à 150 mètres environ, il y a un risque de chute de branche. Le panonceau précise que ce risque s'étend sur 1000 mètres. Vous pourrez également rencontrer des branches sur les voies de circulation. C'est pourquoi vous devez ralentir afin de réduire les risques d'accident. Réponse B et C. Question 29. Suite à un accident, j'ai été obligée de quitter l'autoroute. Pour reprendre cette dernière en direction de Toulouse, je dois tourner à droite, réponse A, continuer tout droit, réponse B, tourner à gauche, réponse C. Lorsque l'autoroute est bloquée suite à un accident ou un bouchon par exemple, vous pouvez être invité à quitter l'autoroute et emprunter un itinéraire de substitution. Dans cette situation, vous avez deux possibilités pour rejoindre la ville de Toulouse, soit tout droit en continuant sur cette route, soit à gauche en continuant sur l'itinéraire S8 qui vous permettra de rejoindre l'autoroute. Réponse C. Question numéro 30. La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de la vitesse du véhicule, oui réponse A, non réponse B, de l'adhérence de la chaussée, oui réponse C, non réponse D. Le temps de réaction est le temps nécessaire au conducteur pour réagir à une situation. Pendant ce temps, le conducteur n'agit pas sur le véhicule. Ainsi, la distance parcourue pendant le temps de réaction ne dépend pas de l'adhérence de la chaussée. En revanche, elle dépend de la vitesse à laquelle circule le véhicule. Bonne réponse, A et D. Question 31. La signalisation annonce une route réservée seulement aux voitures de tourisme. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation indique que je vais emprunter une route pour automobile. Pour plus de sécurité, ces routes à circulation rapide sont interdites à certains usagers qui se déplacent lentement. Piétons, tracteurs, cyclomoteurs, etc. Réponse B. Question 32. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. La signalisation annonce un rétrécissement de la chaussée 50 mètres environ après le panneau. Celui-ci est complété par des cônes servant à délimiter la zone visible des travaux en cours.
L'obstacle étant situé de mon côté, je suis tenu de m'arrêter puisqu'un usager arrive en sens inverse. Réponse B. Question 33. Avant d'aborder un carrefour giratoire, je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un carrefour à sens giratoire est une intersection marquée par une signalisation de céder le passage, ligne pointillée et panneau, identique à toute autre intersection régie par un céder le passage. Face à cette signalisation, je suis tenu de marquer l'arrêt uniquement si d'autres usagers circulent sur la chaussée que je vais aborder, ou sur l'anneau du rond-point. Si personne ne se présente, je ne suis pas dans l'obligation de m'arrêter. Réponse B. Question 34. Je peux continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de stop à droite occupe toute la largeur de la rue. Cela signifie qu'elle est à sens unique et que je ne peux pas l'emprunter. Je peux donc continuer tout droit, mais pas tourner à droite. Réponse A et D. Question 35. Je serre à droite, réponse A. Je ralentis et je passe, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Les véhicules qui arrivent face à moi sont des véhicules de secours du SAMU, service d'aide médicale d'urgence. Leurs avertisseurs spéciaux lumineux sont en fonctionnement. Ces véhicules sont prioritaires. Je suis tenu de leur céder le passage et de faciliter leur progression. La rue étant devenue étroite, je dois serrer à droite le plus possible et m'arrêter pour les laisser passer. Réponse A et C. Question 36. Après ce panneau, je pourrais dépasser une moto, réponse A, un tracteur, réponse B, une voiturette, réponse C. La signalisation vous indique qu'à partir du panneau, le dépassement de tout véhicule à moteur est interdit, à l'exception des deux roues sans sidecar. Le fait de ne pas respecter cette interdiction est passible d'une contravention de quatrième classe d'un montant de 135 euros. Réponse A. Question numéro 37. Je tourne à droite. Je dois céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois marquer l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule actuellement sur un chemin de terre. En abordant cette intersection, je dois céder le passage à droite et à gauche. Toutefois, lorsqu'à la sortie d'un chemin de terre, aucune signalisation n'est implantée, l'arrêt n'est pas obligatoire. Je dois m'engager suffisamment lentement pour permettre un arrêt sur place. Bonne réponse, A et D. Question 38. En tournant à droite, je trouverai une aire de pique-nique, réponse A, un hôtel, réponse B,
Des informations touristiques? Réponse C. Une cabine téléphonique? Réponse D. Le panneau complété d'une flèche vous indique un point d'information touristique. Vous aurez la possibilité de consulter un plan de la région avec des informations concernant les lieux présentant une particularité touristique comme des points de vue, des monuments, des chemins pédestres, etc. Réponse C. Question 39. Je vais rencontrer une ligne continue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une route nationale. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les flèches au sol ont la pointe orientée vers vous, elles concernent par conséquent les usagers arrivant en sens inverse et leur indiquent que la ligne discontinue va être remplacée par une ligne continue. Le cartouche rouge situé au-dessus des panneaux de confirmation de direction indique que vous circulez sur la route nationale 113. Réponse B et C. Je dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque le marquage au sol est constitué d'une ligne discontinue de dissuasion, seul le dépassement des véhicules très lents, les tracteurs par exemple, ou d'autres roulant à allure très lente est autorisé, et à condition de disposer d'une bonne visibilité et de l'espace nécessaire au rabattement. Ici, ce n'est pas le cas. Ce véhicule roule normalement, c'est-à-dire entre 80 et 90 km/h. Je ne peux pas le dépasser. Réponse B.